Écoute-moi, je viens. Il n'y a pas. Je dis, Gané. Je t'écoute. La personne que tu causes à lui, là. Écoute-moi. C'est ça le problème, là. Il fuit les questions. On te pose aussi précisément. Écoute, Gané. La réponse, c'est quoi? Écoute, je te donne une réponse. Depuis là, il s'est écouté ou tu ne réponds pas seulement. La personne qui cause à lui, là. Hein? Qui s'est fait de pub, là? Qui s'est fait de pub, là? À un message de Kakou Philippe, là. C'est que vraiment, tu ne veux pas s'en sortir devant moi. La réponse, c'est quoi, alors? Écoute, il dit si. Si, là. Quand quelqu'un dit si, si ça, là, si tu fais ça. Ça là, ça ne veut pas te condamner. Et il dit si tu as jeté ta nourriture à la poubelle, c'est pas un péché. Il dit si là, fait quoi? Ça veut dire si tu le fais là, c'est pas un péché. C'est conditionnel, non? Ouais, c'est au conditionnel. Voilà, maintenant si toi tu le fais là, quelle est la sentence? Attends. Gagné. Bon, c'est bon ça, c'est bon, au revoir. Non, faut pas faire bruit, faut pas couper. Si tu coupes ça, là, moi je t'ai appelé encore. C'est pas grave. J'ai dit. C'est pas grave. J'ai dit, faut pas couper. Mais réponds. J'ai dit, quand quelqu'un dit si tu fais ça là, ça peut pas te condamner. Et je te donne exemple. Quand on dit il y a un médicament, il n'y a pas effet secondaire. Si tu veux là, on dit si tu veux, tu peux toi comprimer. Ça peut pas te tuer. Mais tu comprends la réponse? Écoute. On dit, si tu prends trois comprimés, ça ne veut pas te tuer. C'est pas dit que non, que ce médicament-là, quand tu prends, si tu peux prendre cinq comprimés, ça ne veut pas te tuer. Donc, quelle est la réponse? Mais cela veut dire quoi? Si tu jettes ta nourriture là, oui. C'est pas un péché. Mais il n'a pas dit que de faire. Il dit, si ça arrive. Oui. Et puis, tu as jeté ta nourriture. Oui. Parce que ses parents, ses prophètes, tous les prophètes, ils ont dit donc, ça. Donc, tu jettes ta nourriture pour laisser catholique mourir de faim, quoi. Il dit, ce qu'il dit là, il dit si. Il n'a pas dit que non, va jeter votre nourriture. Oui, maintenant, si toi tu le fais, c'est un péché ou bien c'est pas un péché? Si tu fais là, oui. Tu ne peux pas te condamner pour ça. Pourquoi? Si tu fais que Dieu ne peut pas te condamner pour ça. Pourquoi Dieu ne te condamne pas? Est-ce que ce ne sont pas des hommes catholiques là, ce ne sont pas des hommes? C'est pas péché. Donc, catholiques, là, ils n'ont qu'à mourir de faim. Les pranamistes n'ont qu'à mourir de faim. Il a dit si. Oui, si. Maintenant, si tu le fais, est-ce que c'est un péché ou c'est pas un péché? Si tu fais là, ouais. Je ne peux pas te condamner. C'est un péché. Si c'est un péché. Pourquoi c'est tu pas... Est-ce que c'est pas ton prochain? Catholique, c'est pas ton prochain? Pranamiste, c'est pas ton prochain? Musulman, c'est pas ton prochain? C'est quoi? C'est quel prophète ça? Attends. Ah, ça, Martin, il s'assoit dans son bureau là-bas, c'est moi, il l'appelle. Et puis, toi, tiens, Kakou Philippe dit que Martin est prophète. Béni l'a fait fuir la dernière fois. Il est là maintenant, tourner dans nos vidéos, il coupe les vidéos par-ci, par-là. Moi, il y a besoin de Martin face à face. Voilà, il est en train de sauter. Kakou Philippe, c'est comme toi, tu es représentant de Kakou Philippe. Un prophète, il va vers le peuple. Mais toi, Martin, tu t'assois dans ta maison. Allô, je vais parler avec toi. Tu as parlé avec moi, tu es plaisanté, mon ami. Viens voir sa façon de faire débat. Prophète, pas dire que tu es prophète, tu te caches dans la maison pour appeler tes disciples. Mohamed Salassalam, lui partait au contact. Béni Agboro, Béni Islam, l'Agboro matin, la dernière fois, il va le tuer. Dans quel sens? Il a fait fuir, c'est ce que je veux dire. Voilà, après, il était prêté, voilà. Donc, il a fait fuir Martin. Martin, là, il ne va jamais accepter de débattre avec les musulmans parce que c'est la honte. Mais ce n'est pas grave. Nous sommes en train de prêcher voilà, de façon unique. Mon frère, vous m'écoutez. Si tu n'as pas de réponse, je vais avancer. Bon, je vais prendre un autre verset. Mais bon, tu peux pas m'écouter. C'est-à-dire, c'est comme ça, vous faites bavarder. Quelle est la réponse alors? Mais ce que tu dis là, tu as bavardé jusqu'à une petite, c'est-à-dire que j'ai ouvert un petit bain, c'est-à-dire ce que je te dis même là, quand quelqu'un dit si là, tu sais ce que ça veut dire, en français si quelqu'un dit si tu fais ça là, ça ne peut pas faire ça là, mais est-ce qu'il a dit que non, faut faire? Il a dit faut faire. Non. Quand quelqu'un va, tu as arrêté l'école quelque part. Maintenant, moi je ne suis même pas là à l'école, mais je ne suis pas naïf.
Mais tu avais madrasa quoi? C'est pas ça le problème. J'ai dit. Il dit c'est pas nos prochains. Mais c'est là, ça mêle tous les capoins. Compréhension. Il n'a même pas touché ça là. Il a pris d'autres versets encore pour déposer devant Martin. Non, moi, bouche bée, tu vas parler. Je voulais savoir si tu as arrêté l'école en quelle classe. Bon, au revoir. Si vous jetez votre nourriture à la poubelle, alors que un protestant évangélique, branhamiste, musulman a faim, Dieu ne vous condamnera pas parce que ce ne sont pas nos prochains. On te recommande, si tu jettes, maintenant si au conditionnel, ok, si. Maintenant si tu le fais, il dit que ce n'est pas un péché. Mais c'est un péché si tu le fais. C'est un grand péché si tu le fais. Comment tu vas jeter ta nourriture à la poubelle alors que les gens ont faim? Il y a plein de versets ici.